Boye bolamu bandeko yale onjole ona programme on a biso mapping ya mokolo malelo olokota la lingala boyebite bo mesano chaque mardi programme na biso ekobanda koleka olokota la lingala na 8h du soir. Mokolo malelo tokobanda na chapitre 2 kobanda juillet 1996 kino juillet 1998 petit trône yango ezali première guerre et régime de l'AFDEL. Kobanda 100 ans ya juillet 1996, ba élément armé, ba nyamulenge tuchi, ba oyo ba longwa ki Zaïre, pona kokene kola na entraînement militaire na kati armée patriotique rwandaise APR na Rwanda. Pe ba militaire ya APR ba bandaki ko ba kendaki uto Burundi pona opération ya infiltration na kati ya province ya Sud Kivu. Pe balandaki bakendaki bongo na Uganda na opération pona opération na bongo ya déstabilisation na Nord Kivu. Bakrochage na bango ya yambo entre ba phase pe ba infiltré et banaki bongo le 31 août 1996 pembeni ya Uvira na kati ya province ya Sud Kivu. Pe le 18 octobre conflit et mataki lisusu koleka na création officielle na Kigali ya mouvement moko la mouvement armé moko bané ko affirmé ko bengana pouvoir ya président Mobutu alliance ya force démocratique pour la libération ya Congo AFDEL en sigle. Pe na sous couvert ya AFDEL ba troupe ya armement pe logistique bazaki fourni na Rwanda pe ba militaire ya APR ya Uganda Peuple Defense Force UPDF pe ba force burundaise FAB ba kota kibongo na masse na Zaïre pe ba sey kozwa conquête ya province ya Nord Kivu pe Sud Kivu na district ya Ituri. Oku kaka ya conquête wana ba element ya AFDEL ya APR pe FAB basse ko attaquer pe ba bebisa ki ba camp ya réfugié outou rwandais pe ba burundais ba s'installa ki aux environs ya Uvira ya Bukavu pe Goma ba centaines ya ba milliers ya ba réfugiés rwandais ba zine ko zonga na Rwanda mais kasi ba milliers mususu tout comme ba ex FAR Interahamwe basse ko kima na direction ya territoire ya Walikale kuna na Nord Kivu pesha bunda na Sud Kivu ba uta ba sanza ebele ba militaire ya AFDEL APR basse ki ko se lancer na poursuite ya ko détruire systématiquement ba camp ya ba réfugiés pe na ko salaka bango mabe na bisika oyo ba aide banaki ko wuta. A partir ya 16 ya décembre 1996 gouvernement ya Kinshasa asilaki ko tente ko mene contre-offensive a partir ya Kisangani pe Kindu na aide ya ba ex Interahamwe. L'organisation ya armée zaïroire na indélicence et si ya ki penda kozala impossible ya ko tcha en œuvre na tamoko ya mokuse. Renforcé à partir ya 20 ya février 1997 na ba militaire Katangé au bané ko s'opposer na président Mobutu pe bango basé ko servir na gouvernement angolaise. Oyo ba ex tigre depuis année 1970 pe bana o bazaki associé na ba force pe ba groupe armé EAFGA communément bané ko benga bango ba kadogo le bana mikie na swahili bazaki bon recruté na file ya conquête ba troupe ya AFDEL APR UPDF basiaki ko réussir ya kozwa contrôle ya Kisangani le 15 mars 1997 pe na wana Mbujima epe Lubumbashi na ebandele ya 100 ya avril. Après chute ya Kenge pe Bandundu ba troupe ya AFDEL APR pe balié na bango basiaki kokoma na porte ya capitale président Mobutu asilaki koza solution te ya ko
Tika Bokonzi, P le 17 mai 1997, de la troupe ya AFDEL, PAPR, Bastien Kokota à Kinshasa. P le 25 mai, président ya AFDEL, Laurent Désiré Kabila, a stilaki ko mitia président de la République. Yebongo a stilaki ko rebaptisé en même temps Mboka na République démocratique du Congo. Na, ke, na tango, mo, na basanza mikie moke. Mesure autoritaire et celle qui conjoint le président Kabila remise en cause il y a un contrat signé dans l'entreprise Ebele Ezaki à Bapaya pour boya ko collaborer dans l'équipe spéciale au Batinamaki na secrétaire et organisation des Nations Unies pour la cause la enquête il y a un massacre il y a un réfugié na est congolais basta ki kobungisa bongo nouveau régime pe ba principaux soutiens na plan international tous les gabongo na point A attaque contre le civil Tutsi et Banyamulenge toke na point 1 Sud Kivu. Depuis année 1980, question de nationalité et bah Tutsi au Banda qui convient dans la Sud Kivu et Zala Kibongo, Banyarwanda dans la Nord Kivu. Sujet moko ya polémique. Plupart y'a Tutsi à Sud Kivu, Zala qui ko affirmé que Bazali Bazairwa Banyamulenge. C'est-à-dire Zala qui descendant y'a Tutsi, ya Rwanda pe ya Burundi basé ko s'installer na au plateau ya territoire ya Uvira pe Fizi avant ya partage colonial na 1985 ba communauté mususu na bazali ko considérer na inverse plus par ya Batutsi ou bazali ko vivre na Sud Kivu bazali ki bongo ba réfugiés politiques plutôt ba immigrés économiques ba komaki kuna na ku ya 20e siècle. Bah, c'est qu'ils vont contester le droit et la nationalité zaïroise. Décision Izwamaki en 1981, le président Mobutu ya kolongola loi. Loi de 1972, na pikuna ezbana ki ko accorder nationalité zaïroise na lolenge moko ya malamute na population originaire ya Rwanda pe Burundi. Ko bazaki présent na territoire zaïrois avant le 1er janvier 1950. Bongo bazaki confronté na position na ba communauté bengamaki autochtone. Depuis wana suspicion ya nationalité réelle ya Batutsi na Sud Kivu et Komaki Bongo général P député Morote Tutsi azalaki eli na province ka lokola na Nord Kivu na 1989 Bongo controverse ya nationalité dite controverse ya nationalité Komaki douteuse. Batutsi ya province mama ki bongo na report ya élection kasi absence ya conflit foncier majeur pe yango na importance numérique le relativement et comme ki bongo faible ma communauté Banyamulenge pe Tutsi na province libéralisation politique ya régime après 1997 et c'est qui a débouché dans le Sud Kivu, dans le même degré, puis la violence tribaliste dans le Nord Kivu. À partir de 1993, arrivé dans la province et les réfugiés, puis le groupe armé Hutu, Burundais, puis Rwandais, puis l'intégration. Après juillet 1994, il y a Banyamulenge Ebele Tutsi na Sud Kivu na kati ya armée pe administration ya régime ya Sika Rwandais ba esteki bongo kozala na effet ya ko atisser sentiment anti Banyamulenge pe anti Tutsi et pe ya batu Ebele Sud o ya Sud Kivu sien. C'est bon que fondamentalement, il y a des agents, il y a gouvernement rwandais, puis tout burundais. Tout ce qui est étranger,
mais bazala ki pe banyamulenge basila ki kobungisa ba misala na bango pe basita ki ko subi ba discrimination pe ba menace. Le 28 avril 1995 parlement y a transition HCR PT na Kinshasa essaie de rejeter officiellement prétention nyo sa banyamulenge ya nationalité zaïroise et puis bah, c'est qu'on recommande le gouvernement ya ko si la ko rapatrié bah on a Rwanda tout na Burundi na même titre que bah réfugié ou tout pe bah immigré touti kaka na sansawa na welanda ki administration provinciale c'est qu'au botola biloko ebele o ezala ki ya babanya mulenge. Na note où se rendant qui public le 19 octobre 1995, l'autorité et le territoire au vire a confirmé que l'ethnie Banyamulenge et Banakite na Zaïre, car c'est une exception et une dizaine de babota, Bangonyonso, Batouchi, Bazaïko vivre Bongo na Sud Kivu, Bazaïki ba étranger. Le 25 novembre, na ouvira ba signataire ya pétition basé que dénoncer persécution ba banyamulenge na ba autorité zaïroise basé ki bon kozala basé ko kangama na ba force ya sécurité na op moyen plateau ya territoire ya Uvira pe Fizi na Mwenga population bembe oyo ba contation historique ezaki na ba banyamulenge ezaki jamais réglé. Bango va profiter qui na contexte wana pour na organiser groupe armé pe kobongola encontre ba acte ya intimidation pe ba vol ya banyama. Face à situation nombre moko ya ba jeune tuchi pe banyamulenge ba seko ke ni Rwanda ko pona kolanda formation militaire na kati ya APR, bamsuwa koma ki lalobango penja na kati ya Zaïre, pe basia ki ko kreye milice ya autodéfense na OP moyen plateau ya Mitumba. Basusu batikala ki bongo na Rwanda, pe bango ba participa ki na kreation ya rebellion Banyamulenge, libo o Banyamulenge esila ki ko permettre na APR ya ko neutralize ex-FAR interamwe, pe na batuchi na Sud Kivu, na Nord Kivu, ya ko sila ko zwa reconnaissance ya nationalité zaïroise pleine, pe entière na nouveau régime na Kinshasa. À partir de juillet 1996, na ebandela ya opération d'infiltration ya éléments armés Banyamulenge tuti na Sud Kivu, situation ya civil Banyamulenge pe tuti en général est comme qui extrêmement précaire. Après que ba phase ba qui ko intercepté le 31 août 1996, ba militaire rwandais na niveau ya Kirungwe situé à 60 km au nord de Uvira, commissaire des zones Chweka Mutabazi a été comme un jeune locaux qui s'enrôlé dans la milice combattante. Puis, après ça, il y a ordre dans la phase où il y a un moulinge et tout le monde qui vivent dans Uvira. Dans le contexte, l'équipe mapping a documenté l'incident allégué Oyo Elandi. Le 9 septembre, la population au Vira a manifesté pour réclamer des parts de tout le Zaïre. Pe ba face ba sey ko kanga nombre moko indéterminé ba tout le Banyamulenge ba sey ko pie ba bâtiment ba établissement religieux pe ba bureau ya ba ONG local ezaki dirigé na ba Banyamulenge. Le 17 septembre 1996, ba élément armé Bembe basilaki kuboma na aide ya ba phase nombre moko indéterminé ba civil Banyamulenge na kati ya village ya Kabela na territoire ya Fizi. Kasi kuna mutu moko basilaki kuboma bien que se ko épargné basi pe bango nyonso basilaki kozala violé. Aux alentours, il y a 21 septembre 1996, ba militaire ya face basé Kobuma, au moins deux civils Banyamulenge, dont président ya communauté Banyamulenge Uvira,
na niveau ya poste frontalier ya Kamanyola situé na 90 km na nord ya Uvira na kati ya territoire ya Walungu. Ba victime o bazaki na kati ya groupe ya Banyamulenge bandeki kozela te basi ya kobengana na Rwanda. Alors que ba groupe o ezalaki na poste frontalier bazaki na kozela document administratif pona ko kenye na bango na Rwanda. Ba element ya phase basi ko boma mineur moko o basengaki mai. Ba phase basi ki bongo kopie ba bien pe basi ko bengana. Na approche ya ba element ya APR na pont frontalier oyo ya Ruzizi ba phase basi ki ko kima pe président ya communauté Banyamulenge asiaki ko mama na sima ya Kamanyola na ba militaire ya phase. Aux alentours, il y a 23 septembre, Bafal Basek Obama, au moins dizaine, il y a un tout à niveau de poste frontière, il y a Kamanyola. Puis la victime, la stylée qui confond la maté, il y a un bango, il y a un fait partie des éléments armés, il y a un tout à infiltré dans le territoire de Zaïr. Entre le 22 et le 24 septembre 1996, ba element ya phase ba c'est ko exécuter publiquement deux civils Banyamulenge na kati ya village ya Nyamugali situé na 47 km na nord Kivu na plein na kati ya plaine ya Ruzizi pe ba victime ba c'est ko funda mateba ba za ki na contact na ba element armé Banyamulenge touti ba infiltré ba exécution wana. Et si la maki ko salama tango moke après que militaire moko ya fazi asilaki ko mama na frontière na frontière ya Rwanda na frontière o ekaboli na Rwanda na septembre 1996 ba élément armé bembe basi kuboma nombre moko indéterminé ba Banyamulenge na niveau ya village Lubonja na secteur ya Nganja na territoire ya Fizi ba victime bazaki la plupart basi o basi ki balongwa ki Nganja pona kokende na Minembwe na kati wana ba passion mibale basi ki kuboma mana na esika moko wana na territoire ya Fizi. Face à un risque d'affrontement à niveau ya moyen pe au plateau ya Mitumba entre ba phase pe ba élément armé Banyamulenge touti bato ebele ba civil Banyamulenge basiaki kolongwa village ya Bibokoboko pe ya environ pour qu'on supposa qu'on se réfugie na baraka pe Lueba pona na komitia na protection. Il y a une phase civile où on a espéré y a cause la confondue dans le groupe infiltré. Quand il y a un contexte où on a équipe mapping à documenter qui est incident allégué au Elandi. Le 26 septembre 1996, na aide ya phase ba élément armé bembe ba c'est comme 300 civils Banyamulenge na localité ya Baraka na territoire ya Fizi. Na kati ba victime ezaki basi na bana ba c'est comme la plupart na arme blanche. Kasi ebele ya basi bana kati na bango bazalaki ba mineur basi ki kozala violé avant de passer à Kobo Mama. Batuerie wane seki ko salema na présence ya population oyo baseki ko sala ta eloko mon côté. Ba victime ba uta kibongo na mboka ya ki ya Bibokoboko na ope moyen plateau. Ba ndoto na bango eseki ko kundama na ba fosse commune na baraka.
Na 2005 autorité moko ya monnaie administrative nationale asinga ki na ba groupe mai mai yo bané coopérer na baraka ya kokundola ba mikuwa ya ba victime wana pe na kubwaka yango na lac Tanganyika afin ya kolongola ba trace nyonso ya ba massacre. Le 29 septembre 1996, na aide ya ba phase ba élément armé bembe ba sek pour ma 150 civils banyamulenge na kati wana nombre beleza ki ya bana pe basi na kati ya mboka ya Lueba situé na 78 km na sud Uvira na kati ya territoire ya Fizi ba sous ba victime sous ba zaki ba bomama ki bongo na kou ya machette ba sous ba tumama ki penza na kati ya ndako moko basite kwa incendie na grenade kasi ebele ya basi na kati ya bamba taki ba mineur basi ya ki kozala viole na bato ebele na butu ya 29 pe 30 septembre 1996 ba element armé bembe basi ya ki koboma près ya centaine ba civi ba nyamulenge na face ya village ya Mboko ba victime ba zaki la plupart rescapé na ba tuerie na Lueba na ba milicien oyo ba memaki pona kobengana na Rwanda basi pe bana ya groupe ba zaki kokoma na Rwanda me ba mibali ba zaki kozala ligote pe basi kobwa kama na lac Tanganyika ba milicien basi ki ko épargner provisoirement 15 ba mibali 15 o basi ko bomba na na camp na niveau ya Mboko liboso ba témoin ba milicien basi ko déclarer que 15 hommes wana basi ki ko tumama après pe 15 hommes wana tisiko yo bazali porté disparu. Aux alentours, il y a 2 octobre 1996, ba jeune locaux, ba élément phase, ba c'est comme 15 banyamulenge, na kati ya village ya Sange, na territoire Uvira. Pe ba victime, moi, ba la plupart ne ko vivre na quartier Kinanira pe Kajembo. Ba c'est qui t'a retrouvé refuge na kati ya ndako ya chef ya cité. Ba jeune pe ba militaire ba sey koya na kati ya ndako ya chef ya cité sous prétexte te a ko escorté bango na Rwanda mais ba sey ki ko bango na kati ya nzela. Le 6 octobre 1996 ba élément armé ba nyamulenge pe ba nyamulenge tuchi ba bomaki na le mera na kati ya territoire ya Uvira plus ya trentaine ya bato dont ba civil militaire oyo bané ko recevoir bané ko zwa ba soin na hôpital local na liboso ya émotion wana sitaki ba massacre. Le 8 octobre vice gouverneur ya Sud Kivu Lwabanji Lwasi apesaki bongo na batuti ba nyamulenge une semaine mpona kolongwa na libela province sous peine ya kozala considéré pe kozala traité lokola ba élément infiltré. Le 10 octobre, Rwanda essaie d'encourager les adultes banyamulenge ya sexe masculin ya kotikala na Zaïre pe ya kobunda pour na respect ya ba droit. Simultanément, le gouvernement ya Sud Kivu Pasteur Kwembwa Walumona asengaki na ba jeune nyonso ya province ya kosanrole na milice afin ya koepole ba phase na contexte wana équipe mapping et se documentaki ba incident allégué oyo elandi. Le 10 octobre 1996 ba phase ba bomaki ba tu centaine ya banyamulenge pe basi na bana na kati ya ville ya Bukavu. Ba tuerie est ce qui cause principalement na kati ya quartier Panzi ya niveau ya site ya société nationale ya chemin de fer Zaïroise SNCZ oyo ezo servi actuellement na zone portuaire.
mabota ebele ya ba militaire tuti ba ne ko servir na kati ya phase ba se ko funda mate ba na kati na tire ko funda ma trahison pe ba ngo ba si ya ki ko bomba na occasion wana ba victime ba se ko mama soit par balle soit par coup ya machette. Le 11 octobre 1996, chef d'état-major général ya phase général Eluki Munga Aundu a staki ko funda officiellement Babanyamulenge ya ko attaquer pays na aide ya Rwanda pe Uganda na Burundi. Le 18 octobre, ba élément armé Banyamulenge tuti ba se ko lancer attaque na Kiliba. Aussitôt bah c'est qu'on revendiquait la force l'alliance et la force démocratique pour la libération du Congo AFDL. Dans le contexte on a équipe mapping et documenté qui les incidents allégués au Ilandi. Le 21 octobre 1996, population locale et Boma qui civile moko banyamulenge tuti à pembeni ya quartier Kabindula na ville ya Uvira. Victime wana ase koza décapité pe moto na ye basé ko tambwisa yango na mtete na kati ya ville. Ba bomi wana basé ki ko accroché ba testicule wana na kingo na ye. Au cours ya mois octobre pe novembre 1996, ba élément armé Hutu burundais pe ba force ya défense ya démocratie FDD ba seko exécuté na public entre 12 pe 20 Banyamulenge tuti na kati ya village ya Kamituga na territoire ya Mwenga. Ba victime ba utaki na la plupart na ma village Lugushwa na territoire ya Shabunda, Kitamba, Mero pe Luliba. Ba village ezali aux alentours ya Kamituga na territoire ya Mwenga. Ba wana bande ko sala na société minière pe industrielle ya site Kivu Somiki pe compagnie minière ya Grand Lac MGL. Bango ba siya ki kolongwa na mboka na bango pona ko se réfugier na Kamituga pe ba FDD ba siya ko funda bango te bande ko collaborer na ba militaire ya AFDL APR ba o bande ko progresser na direction ya village. Population pe Croix Rouge ba siya ko kunda ba nzoto ya ba victime na ba fosse commune ya ki situé na paroisse. Na kuru ya mwa ya novembre 1996, ba element FDD pe ba phase ba se kobo ma cinquantaine ya ba civil touti na niveau ya rivière Zalia na quelques mètres ya Kamituga centre na territoire ya Mwenga. Ba tueri wana esleki kosala ma mingi na butu pe ba nzoto ya ba victime esleki kobwa kama na rivière Zalia. Au cours ya période wana kaka ba massacre esleki kosala ma ebele na Banyamulenge esleki kosala signaler na niveau ya Minembwe na haut plateau ya territoire ya Fizi. Équipe mapping yango ezalaki na mesure ya ko documenter ba ka. Ba membre ya communauté Banyamulenge ba o bazaki consulter ba se ko déclarer te se ko za information précise na sujet wana te. Tokende sikoyo na Kinshasa. Suite ya déclenchement ya guerre na Kivu, population ya Kinshasa ba se ba mimonisama ki pena plus hostile envers ba Rwandais pe population d'origine rwandaise, notamment ba tuti ba fundama ki systématiquement ya kozala mayele na ba AFDL APR. Incident allégué suivant et c'est qu'on a documenté. Fin octobre 1996, na occasion ya manifestation publique organisée na ba étudiants pour ko protester contre présence ya ba Rwandais na Kinshasa, basi mibali pe bana ya nationalité to ba origine rwandaise
na en particulier ba oya ethnie tuchi basleki kozala ba bazaki ko basle ko beta ma pe humilié na public na esika ya ko protéger bato wana ba force ya sécurité basleki ko kanga arbitrairement ba ebele ya ba rwandais la plupart zaki ba tuchi pe bango ba piaki pe ko botola biloko bandako na bango bandako oyo ezalaki ya bango na complicité ya population ba victime ba se ko kangama pe ba se ki ko zwama ko tiama na ba différents lieux ya ba détention tels que ba bâtiment ya service ya action pe ba renseignement militaire SARM na commune ya Ngaliema ya oyo ya service national intelligence ya protection SNIP oyo ezali situé en face ya primature na commune ya Gombe pe Kanchachi ba condition ya détention ezalaki propre entraîné na ba décès ya échelle penza ya monene pe ba détenu bazalaki ba pe bane kopimela na bango biloko ya kolia pe ba soins médicaux. Nombre ya ba victimes torturées pe ba subissaki ba traitement moko cruel, inhumain pe dégradant. Nombre indéterminé ya bato basalaki kozala exécuté na force et sécurité, en particulier na Kanchachi. Ba misusu ba siaki ko zala deporté na ba autorité zaïroise na Rwanda pe na Burundi basusu ba siaki ko zala kontre ya kokima penza na lombango na ba mboka oyo ekangami na yango. Province orientale, suite na déclenchement ya guerre ya première guerre pe na avancé ya ba troupe ya AFDEL APR na kati ya province orientale, service ya sécurité zaïrois pe population ya Kisangani basi ko adopter comportement moko ezalaki penza hostile envers ba rwandais pe population d'origine rwandaise notamment ba tuchi ba obas ba fundamaki systématiquement ya kozala nte mayele na ba AFDEL APR. Incident allégué suivant ezalaki documenté. À partir ya mois d'octobre 1996, service à sécurité zaïrois ainsi que ba civil ba siaki arbitrairement ba dizaine ya civil ya nationalité to ba d'origine rwandaise pe bato oyo ba kokanaki na bango na kati ya ville ya Kisangani pe environ ba bomaki nombre moko indéterminé donc moins ba bomaki bango na public plupart ba victime bazalaki détenu na prise na kozwama na kati ya ville ya Kisangani na troupe ya AFDEL APR pe ba ebele basiaki kozala torturé tous les cas na point B ezali attaque contre le réfugié Hutu. Après installation na Nord Kivu pe Sud Kivu na juin 1994 ba ex Yeramwe ba utilisaki camp ya ba réfugié situé tout au long de la frontière ya Rwanda pe Burundi lokola arrière base pe camp ya entraînement ba tchaki na profit alliance stratégique o ba conclure ki depuis ba décennie na président Mobutu pe niveau ya corruption et ba neko régner na ba phase ba ex phare ba seki ko racheter pe toko récupérer ba matériel militaire oyo ba botola ki na arrivé na bango na Zaïre pe ba sila ki ko reprendre guerre contre armée ya Front Patriotique Rwandais oui comme qui dans notre temps l'armée nationale ya Rwanda armée patriotique rwandaise APR. Face na montée attention entre Zaïre et Rwanda
état ébélé va se proposer ya ko éloigner quand ba réfugié na frontière ba sousou ba recommanda ki ko déployer ba force internationale pour na ko maintenir kimia pe ko yeba ko fonda négociation na niveau régional kasi faute ya financement pe volonté politique pe ba stratégie adaptée et kabola ki ba combattant na ba réfugié c'est déplacé ki te pe ba élément ex phare ba intérêt moins ba c'est continuer à ko s'armer en vue à ko reprendre pouvoir na Kigali na makasi du fait ya présence na yango présence ya ba génocidaire parmi les ex-phares, paix isolement diplomatique, croissant au président Mobutu et paix Koboya, nouvelle autorité rwandaise, qui a fait la négociation. Solution mon côté politique, et c'est ce qui cause à dégager. Paix attaque, il y a ex-phares, etc., moins, na Rwanda, et c'est multiplié qui. De même que l'incursion, il y a APR dans le territoire zaïrois. À partir ya mois ya août 1996 ba élément armé ba Nyambulenge Tutsi mais pe ba militaire ya APR na ba FAB ba s'infiltra ki na Sud Kivu pe ba taka ki ba phase pe ba ex far intérêt moins kasi surtout na ka ba réfugié wapi kuna ba misusu ya arrière base na arrière base na ba ex far intera moins pe na ba groupe armé Hutu Burundi CNDD FDDP pe Hutu FNL kaka na période wana essaie ko caractériser poursuite monko impitoyable ya ba réfugié Hutu ba ex intera moins na ba force et afdel ape à travers territoire congolais ba réfugié pe ba ex intera moins ba seki ko encadrer pe ko utiliser bouclier humain na cour ya fuite pe ba seki ko entreprendre un long périple à travers Mboka, Wapikuna Bakatisaki, est de l'est à l'ouest, na direction ya Angola, ya République centrafricaine, topé na République ya Congo. Na kati ya périple, ex-far intera, moi pe ba réfugié, ba seki ko commettre ba exaction. Wapi ba nombre ya pillage na rencontre ya population civile zaïroise. Donc na Sud Kivu après ba massacre survenu na Burundi fin 1993 pe reprise ya pouvoir na ba FPR na Rwanda na 1994 centaines de milliers de réfugiés Hutu Burundais pe Rwandais pe ba élément ya ex far intera moins na ba rebelle Burundais ya ba CNDD FDD basile ki kozwa refuge na province ya Sud Kivu fin 1994, ba élément ex far intera moins ba sile ki ko multiplié ba excursion parfois meurtrière na Rwanda afin ya ko reprendre pouvoir na makasi. À partir ya 1995, armée patriotique rwandaise APR et sile ki ko mené au moins deux raids zaïrois afin ya ko neutraliser incendie suivant et ça qui documenté. Le 11 avril 1995, centaines de militaires et APR passé pour attaquer armée lourde ya camp ya Birava. Puis ils ont mis le territoire ya Kabare.
Bastia qui comme ma trentaine ya batoupé, Bastia qui cause qui ça ma pe ba cause qui ça ma cas sinon vraiment quoi indéterminé ya bato. Au cours ya attaque bah ex faritera moins pe ba réfugié Bastia qui corriposte te. Suite de l'incident, on a réfugié ya camp Bastia qui a transféré na camp ya Chimanga pe Kachoucha. Nouvel incident allégué, c'est qui ko salema bon en avril 1996 na niveau ya camp ya réfugié burundais pe rwandais na Runingu na territoire ya Uvira. Au cours ya mois d'avril 1996 ba élément armé ba nyamulenge tuchi ba utaki bon na Burundi ba siaki koboma entre 8 pe 10 réfugiés na camp ya Runingu pe territoire kuna territoire ya Uvira ba saya ba siaki bongo ko continuer nzela na direction ya haut pe moyen plateau. Na 1996 UNHCR et ben est estimé na 219 466 nombre de réfugiés dans quatre territoires Uvira pour le deux tiers de la nationalité burundaise. Les réfugiés wana bazaki reparti na 11 camps situés na long ya rivière Ruzizi, Runingu, Rwemena, Lubarika, Kanganiro, Luvingu, Luberizi. Quand ils sont situés na Mutarule pe Luberizi, Biriba, Kibogoye, Kajembo, Kagunga pe Kahanda. Bien que na bakan mususu ba réfugiés ba sivi ba sile ba ne ko kohabiter na ba élément ex intera mwe par exemple na kan ya kanga niro wapi kuna CNDDFDD par exemple na kan ya Kibogoye immense majorité ya ba réfugiés bazaki ba civil non armé incident allégué suivant les aki bongo documenté. Na Mbutu, il y a 13 au 14 octobre 1996, ba élément armé ba nyamulenge ba se ko attaquer camp ya Runingu na armée lourde ba bomaki 4 réfugiés pe na kozokisa ba 7 mususu. Après création officielle ya AFDEL le 18 octobre 1996, troupes et alliances Oezaki appuyé na APR PFAB force burundaise basia ki ko attaqué village ya Bwegera. Après basia ko za contrôle ya village le 20 octobre ba militaire basia ko kabona na deux colonnes première oye bané ko kende kuna na Luvingu na direction ya nord pe oye mi balé vers Luberizi na direction ya sud. Na kaka na kokene na bango ya progression na bango ba militaire ya AFDEL la PERFAB ba ste ko mené attaque généralisée pe systématique contre 11 camps ya ba réfugiés rwandais pe burundais ezaki installé na territoire. Ba témoin ebele ba se ko affirmé que bata kuana ese ki koleka la plupart na ba élément ya ba ex intera mwe pe ba oyo ya CNDD FDD na wana depuis quelques jours ba se ki kolongwa na zone na contexte wana équipe mapping a documenté ki ba incident allégué et lundi. Le 20 octobre 1996, ba élément ya AFDEL APR FAB ba se ko attaqué quand ya ba réfugié ya Itara 1 P2 ezaki situé na village ya Luvingu situé na au moins
au moins 100 réfugiés burundais et rwandais. Nakati ya village voisin ya Katala. Bastia qui a capturé Pepe Baboma qui a bout portant ba réfugié Oyo Bazaï Kotante ya Kokima. Ba militaire, basila qui a forcé la population locale ya Kokunda, ba bibembe na ma fosse commune. Le 20 octobre 1996, l'entrée na bango na village ya Rubenga, ba élément ya Afdel, APR Fab, Bastia Kobomba, nombre moko indéterminé ya ba réfugié, puis ba civil Zaïroa, oh, on a qui Kokima na direction ya Burundi, puis ba ndoto na bango, et c'est qui Koboa kama na rivière Ruzizi. Le 21 octobre 1996, bah, l'élément y a Afdel, APR Fab, c'est quoi attaqué quand P village y a Lubarika, bah bon qui bon nombre bon quoi indéterminé bah réfugiés rwandais et burundais, ainsi que bah civils zaïrois, oh bah on est contenté qu'Okima na village après départ y a bah phase. Ba militaire ba obligé que population locale ya Kokunda Banzoto na quatre grandes fosses communes. Même jour wana ba militaire ba sait que ma na bo moi 30 réfugiés nanda komoko na village Kakumbukumbu situé na 5 km na camp Lubarika. Le 21 octobre 1996, bah, l'élément ya Afdel, APR, Fab, bah, c'est quoi attaqué na arme lourde quand il va réfugié ya Luberizi, situé entre Luberizi et Mutarule. Bah, bon, qui bongo 370 réfugiés. Bah, militaire, bah, c'est quoi comme une autre victime na latrine. Parce que vous m'appelez plusieurs dizaines de personnes réfugiées, pays aérois à niveau, il y a un village, Luberizi, Mata, Muta, Roule. Nasima ya kubomana banzoto ya plus de 60 victimes, c'est qui vous allez retrouver, il y a un boka mibale. Le 24 octobre 1996, bah troupe Afdel et APR Fab bah c'est quoi attaquer quand il y a Kanunga et bah Boma qui non moment indéterminé et bah réfugié. Tellement quoi direct qui attaque c'est quoi affirmer 8 cadavres. Militaire, bah c'est bon que Boma non moment indéterminé et bah réfugié bah tabane qu'on tente qu'on kima. Na compagnie ya Zaïroa na niveau ya village Ongero situé na kilomètre moko ya Kanunga. Après prise ya villa ya ville du ya Uvira pe na kati ya Butu ya 24 pe 25 octobre 1996 et tiama kiboko doute te ba phase bazala qui n'a pas été pratiqué dans le territoire Nyon Soya Uvira. Ba réfugié burundais et rwandais, ba c'est-à-dire qu'il y a plusieurs directions. Ba moussousou, ba qui n'a pas été territoire ya Fizi, pe ba c'est-à-dire qu'il y a na Nord Katanga, na Tanzanie, tope na Zambie. Ba moussousou, ba c'est-à-dire qu'il y a vers Nord, na Koleka, na territoire ya Kabare pe Walungu. Ba ebele ya ba réfugié burundais ba c'est qui kokima na direction ya Burundi pe ba c'est ba kokaki te ko traverser rivière Ruzizi pe bango ba bango ba c'est qui ko s'appréhender na niveau ya sucrerie ya Kiliba na village ya Ndunda Ngendo Mwaba. Dans le contexte, une équipe mapping a documenté les incidents suivants. Le 25 octobre 1996, l'élément y a Afdel, APR Fab, c'est un nombre indéterminé y a réfugié. Au bande de Kouboma, une habitation abandonnée dans le secteur 3P4 y a sucrerie y a Kiliba. Entre le 1er et le 2 novembre 1996, l'élément y a Afdel et APR Fab, c'est comme de manière
indiscriminé environ 250 civils, parmi Wapikuna plus de 200 réfugiés, et une trentaine Zaïrois dans le village Ndunda situé na pembeni ya frontière ya Burundi. Ba réfugiés basé kobomo na le village Ndunda babane ko espérer ko obtenir protection ya ba miliciens SCNDDFDD ba o bazaki na base na environ. Au cours de l'attaque, plusieurs réfugiés ont été condamnés à la maille à Ruzizi pour tenter de Kokima. Les militaires ont été condamnés à la maille dans le village. Les militaires ont été condamnés à soutenir la CNDDFDD. Le 24 novembre 1996, dans le village ya Mwaba, ba élément ya Afdel, a père Fab Basse Kouboma, na bomo 24 réfugiés Hutu Burundais, ba outaki na village ya Biriba. Na kokoma na bango na Mwaba ba militaire Basse Kokanga, na ba personne o bazaki présent na village. Après ko interroger bango, Batika ki bango pe ba civil zaïrois baseki kokanga ba réfugié burundais na ndako moko oyo baseki ko incendie. Ba militaire ya FDL APR FAB basia ki ko erige ki ba nombreuses barrières na plaine ya Ruzizi na autour ya village ya Bwegera Sange Luberizi ki Liba na entrée ya Uvira na cité port de ya Kalundu. Na niveau ya Makobola 2 na territoire ya Fizi pe na oya ravin ya Rushima territoire Uvira na niveau ya ba barrière ba militaire ba seko kotrier et ba personne intercepté na fonction il y a la nationalité na bango sous prétexte ya ko préparer retour na bango na mboka oyo ba utaki bato ba identifié bato bato ba sele ko identifié lokola ba utu rwandais tope burundais na base ya accent na bango pe ba caractéristiques morphologiques na bango to elateli na bango ba sele ki ko systématiquement séparé na bato mosusu intercepté pe babomaki bango dans les environs na contexte ou un équipement ping a documenté ba incident allégué suivant le 22 octobre 1996 ba élément ya Afdel APR FAB Basekoma na ravin ya Rushima entre Bwegera na Lubero un groupe moko. Il y a près de 550 réfugiés Hutu Rwandais, Boyo, Kimaki, Nakan, Luberizi, Pe Rwenena, quelques jours auparavant. Les militaires ont intercepté les victimes à niveau de la barrière érigée à environ entre le 27 octobre et le 1er novembre 1996, sous prétexte de rapatrier bango na Rwanda. Ba élément ya Afdel APR AFAB basé komema nombre moko indéterminé ba réfugiés supplémentaires na ravin ya Rushima wapikuna basé ki ko boma bango. Au cours ya jour pe ba semaine o elanda ki le 25 octobre 1996 ba élément ya Afdel APR FAB basé kuboma nombre moko indéterminé ba réfugié na esika moko o ba bengi Kaororo situé na secteur 7 ya Sucrerie ya Kiliba ba victime ba sila kibongo kozala appréhendé na village environnant. Le 29 octobre 1996, ba élément Yafdel APR FAB basé comme environ 220 réfugiés et à sexe masculin na proximité église ya 8e c'est Sepza communauté église pentecôtiste
Nazaï actuellement, c'est pas la communauté des églises pentecôtistes en Afrique centrale. Na village ya Luberizi, ba victime ba zali ko faire partie ya groupe et ba réfugiés na ba militaire ba siaki ko ndimisa bango te ba siaki ko se regrouper po te ba siaki ko rapatrier bango na Rwanda. Ba militaire ba siaki ko kabola mibali na reste ya groupe pe ba siaki ko boma na coup ya ba bayonette ou par balle ba nzoto ya ba victime et siaki ko boma na fosse commune située na proximité ya église. Le 3 novembre 1996, ba élément ya FDL APR FAB ba siaki ko tumba na bomo 72 réfugiés rwandais na kati ya ndaku ya Kotonko situé na kilomètre moko ya village ya Bwegera. Ba victime ba siaki ko za capturé na village voisin pe ba élément ya AFDL APR FAB ba siaki ko 5 ba victime na kati ya ndaku ya Kotonko na kosala ko ndimisaka bango te ba komema bango ensuite pe ko rapatrier bango na Rwanda. Le 13 octobre 1996, l'élément est AFDL, APR FAB, c'est comme environ 100 réfugiés burundais dans le village de Ngendo situé à 7 km de Sangé, dans le territoire de Uvira. Le 8 décembre 1996, le militaire est AFDL, APR FAB, c'est comme 13 réfugiés de sexe masculin dans le village de Rukogero situé à 9 km ya Sangé na territoire ya Uvira. Pe ba victime bazalaki faire partie na groupe ya 200 to 300 réfugiés ba kimaki kan ya Kibogoye. Une fois ba réfugiés ba siaki ko kozala enfermé na église ya 8e sepza ba militaire batika ki asi ya mikolo pe ba petite fille ko kende même mibali ba sek bo mabango ba mibali na bana ya mibali ya miki ba sek bo mabango bi mena bango sek maki ko bwa kama na ba latrine na côté ya église. Le 12 décembre 1996, ba élément ya AFDL, APR FAB, ba siaki boma 15 civils na village ya Ruzia. Na wapi kuna ba réfugié oyo ba siaki kokima na camp ya Luberizi, Mutarule ainsi que ba civils zaïrois. Ba victime ba siaki kozala capturé na cour ya opération ya ratissage oyo ezalaki menene ba militaire afin ya ko débusquer ba réfugié oyo babomamaki parmi population zaïroise. Ba victime mosusu ba siaki kotuma mama ya bomoi na ndako moko pe ba mosusu ba silaki kobwama na monduki na minduki. Ba nzoto ya victime wana esaki kokundama na 3 fosses communes. Le 22 décembre 1996 na Ruzia na bord ya lac ya rivière Ruzizi ba militaire ya AFDL APR FAB ba siaki boma bongo au moins 150 personnes dont majorité ba réfugié ba rescapé ya attaque na camp ya Runinga ba victime ba siaki boma na forêt tango ba militaire ba repéraki bango. Banzoto na bango esilamaki kotumama pe ba militaire deux jours après basi ko incendie. Source mosusu esaye ko avancer que nombre ya ba victimes ezalaki ya Walungu pe Kabare. Na 1996 HCR ebene ko estime nombre ya ba réfugiés na camp ya ba territoire ya Walungu Kabare
pe kalehe communément ya kubenga makan ya Bukavu na 307 409 personnes au bakabolema qui na entre 26 camps Kamanyola Izira Ngalbo Karambagira Niengezi Mulwa Niatende Muku pe Mushweshwe na Sud Kivu pe Bukavu Bideka Shimanga Burale Bulonge Kamoko ezaki non reconnu na HCR Nyamirangwe pe Shabarabe na ouest ya ville Panzi Nyakavogo Mudaka Muhala Inera Institut National pour l'étude nationale agronomique Adi Kivu Action pour le développement intégré na niveau ya Kushusha Katana Kalehe Kabira na nord ya Bukavu pe Shondo Chayo Bugarula Mauwere pe Karama na île Ijwi kaka na progression vers Bukavu ba troupe ya Afdel père ba sile ko bebisa ba camp ya fortune o batongela ki ba réfugié pe ba escarpé ya massacre essayer de commettre la plaine ya Ruzizi na territoire ya Uvira pe na l'ouest ya ville ya Bukavu à partir ya village ya Nyatende ba troupe ya Afdel ba kabona ki na groupe mibale groupe ya Yambo ezaki bongo ezaki kokena direction ya Bukavu na koleka na Buhanga Mushweshwe Kumuini Shabarabe Siriri pe Lwakabiri pe ba misusu bazaki direction ya Walungu centre pona koleka na Muku Sidao pe Sidodobo. Na contexte wana mapping assez ko documenté ba incident allégué yo elandi. Le 20 octobre 1996 ba élément ya Afdel ba utaki bongo na Bwegera na ville rwandaise ya Bugarama basile ko attaquer ko ba réfugié ya Kamanyola la territoire ya Walungu ba maki bongo nombre moko indéterminé ya ba réfugié pe ba civils ya Irwa ba militaire bongo ba sé ko bwa ka nzoto yango na ba latrine ya camp. Le 21 octobre 1996, bah, l'élément ya Afdel Aper Bastel Koboma, nombre moko indéterminé par réfugié à niveau ya Nyarubale, na colline ya Kalunga, na 2 km ya Kamanyola. Bongo na kokima attaque wana na contre quand il y a Kamanyola, bah, réfugiés wana bah, c'est qu'on rejoindre Bukavu pe bah, certains quatre n'abandonnent wana bah si là qui cause la surprise pendant que bah c'est là qui coupe ma bah to mususu bah c'est qu'on a intercepté nos militaires na niveau de la barrière où qui érigé Nandela. Le 21 octobre 1996, bah, l'élément ya Afdel Basile Kubumba nombre moko indéterminé ya ba réfugié na niveau ya Nyarubale na colline ya Kalunga à 2 km ya Kamanyola. Na kokima attaque contre ba camp ya Kamanyola, ba réfugié ba tenta ki ko rejoindre Bukavu. Kasi kati na bango bazaki surpris pendant ki bandai ko pema, pe ba mosusu bazaki intercepté na ba militaire na niveau ya barrière ozaki na nzela. Ba personne bandai kozongisa na mbote na Swahili na ba militaire na akson moko rwandais to burundais bazaki systématiquement exécuté pe ba nzoto na bango ezalaki bongo ekundamaki bongo na population locale.
À partir il y a le 22 octobre 1996, Liboso, il y a bah, troupe, il y a AFDEL, APR, bah, réfugiés, il y a bah, il y a camp, il y a Nyangezi, P, Nyatende, bah, Banaki Koki, dans la direction à Bukavu. À partir du 26 octobre 1996, les militaires ont lancé une attaque contre camp situé dans le sud et ouest de la ville de Bukavu. Dans la plupart des cas, les réfugiés ont été dans camp avant d'arriver aux militaires. Ils ont été dans la direction de camp de Kachusha, Inera et Idikivu, dans le nord de Kivu, dans le nord de Bukavu. Pe Shimanga na ouest ya Bukavu na direction ya Shabunda. Le 26 octobre, le militaire ya AFDEL le basé quoi incendié camp oyo zaki déjà abandonné na Muku na 10 km ya Bukavu na territoire ya Walungu. Contexte wana nde équipe mapping et documenté que incident allégué oyo elanzi. Le 26 octobre 1996, il y a AFDEL, Bomaki, centaines de réfugiés, Bazalaki Kokima, le long y a Axo, Beneko, Oereliaki, Nyatende, Pe Walungu, centre, Walungu, centre, Pe Nyatende, Nabukavu. Ba victime utaki la plupart na territoire ya Uvira pe ya pleine ya Ruzizi ba seki ko boma bango par balle pe na ba bayonette to sous ba éclat ya obus ba militaire ba incendiaire qui la plupart ya ba site o bezaki ba réfugié majorité ba victime ezaki bongo ba si pe bana to ba to yo déjà ya âge moko elekeli to ba bangé. Selon témoignage haute basile qui causera bas militaire basile entre 200 et 600 personnes bas kubanzoto na bangeza qui et kundama qui bonga na place na population locale. Na date ya 28 octobre 1996 bas élément ya AFDEL APR en provenance ya Nyangezi basile kuboma 5 réfugiés na village il y a Luakabiri situé à 30 km à l'ouest de Bukavu. Après prise de Bukavu le 29 octobre 1996, troupes de AFDEL le Bastèque ont continué l'opération de Bango contre quand ils étaient situés dans le nord de la ville. Dans le contexte, on a une équipe mapping et documenté qui a un incident allégué au Ulandi. Le 2 novembre 1996, bah, élément y a AFDEL APR, bah, c'est quoi attaqué, n'a arme lourde quand y a Kachusha Inera, na territoire y a Kabare, bah, c'est comme une centaine de réfugiés, peut déborder la bah, phase y a contingent Zaïrois pour la sécurité y a quand CZSC, bah, c'est Kokima pour la Kolanda. Parti ya ba réfugié. Na kati kaka na kati attaque wana ba militaire ya AFDEL APR ba se ko tirer na façon moko indiscriminé na ba phase pe ba ex far intera moins pe ba réfugié. Aux alentours il y a 22 novembre 1996 ba élément ya AFDEL ba se ko ba centaine ba réfugié na camp Chimanga situé na 71 km ya ouest ya Bukavu. Na kokoma na bango na camp ba militaire ba singa ki ba réfugié ba ko kosangana pote ba ko assister na réunion. Pe ba militaire ba se ko la kabango te ba se ko boma ngombe po na ko pesa bango musuni. Pote ba reprendre makasi ba si la kozonga na ba basi ya kozonga na bonne condition na Rwanda. Pe basi ya ki kubana kwa enregistre ba refugie na kusangisa bango par préfecture d'origine. Na mounatango moko kuya sifle esle kubeta pe wa militaire basa ki position tout autour ya kan pe ba fungula ki ma sasi na bango likolo ya ba refugie. Selon bah, différentes sources, entre 500 et 800 réfugiés, bah, c'est qui bon au Koukoufa.
Na janvier 1997, l'élément y a AFDL appel parce que au moins 30 réfugiés rwandais et burundais. Pour la plupart, na arme blanche, na nzela ya Bukavu Walungu. Na environ 16 km, y a ville ya Bukavu. Pe ba victime, ba sila ki basé au Karama na cadre ya opération ya ratissage. Avant ya kubwa ba victime ba militaire ba torturer ki bango pe mutiler ki bango. Après prise ya Bukavu na ba troupe ya AFDL APR pe na destruction ya camp ya ba réfugié na nord ya ville. Nanon ya ville ba rescapé ba sile kokima na direction ya Nord Kivu. Pe ba baleka ki na parc national ya Kauzi Biega na direction ya Banyakiri Ombo. Soit na Niabibwe na nzela ya Goma ba réfugié ba sile kokoma na Niabibwe ba sile ki bongo ko atteindre province ya Nord Kivu te Pambate ba sila ba kozwa na eto na groupe ya AFDL APR bongo ba komaki na Goma pe Bukavu incendie allégué suivant et c'est qui documenté vers mi-novembre 1996 ba élément ex-far intera moi ba sila ko boma normalement ko indéterminé ya ba réfugié na ville ya Niabibwe. La plupart des victimes bazaki bato bazaki kobela pe ba bazaki babangé to pe bazaki ba handicapé physique bazaki bongo na makasi ya kokima te ba ex cetera mwe ba bomaki bango na kolansaka ba roquette na bandako pe na ba conteneur oyo ba bisika bazaki ya kokangama. Ba mchusu ba seke mwa ya bomoi tango ba mituka oyo ba zaki place ezaki bongo incendie ba victime mchusu ba senga kite basi na kubanga wana na kokwe na maboko ya AFDL ekipe ya mapping na wana ba zapenda na confirmation te na thèse wana. Majorité ya réfugiés oyo bazaki bloqué na Niabibwe bazaki bongo batantaki bongo ko atteindre Bunyakiri pe Ombo na koleka na au plateau ya Kalehe. Groupe moko s'installaki na camp ya Fortune na niveau ya Change pe Numbi ba kolandama na ba militaire ya AFDL APR ba nombre réfugiés ba sek bo mama na kawana ya Fortune pe na au niveau ya chez Bumba pe Lumbishi na territoire ya Kale na contexte ya mapping et documenta ki ba incident allégué au lundi le 21 novembre 1996 ba élément ya AFDL APR ba sek bo plusieurs centaines ya réfugiés pe bazuki sa ki ba centaine mususu na camp ya Fortune ya Change ainsi que na forêt ya Bambou ya Ukiga et ses environs na territoire ya Kalehe ba victime mususu ba bomama ki na balle par éclair obus to na roquette mususu na kati na bango bazalaki bongo deja na mbula ya kopusana ba malade pe bana basiaki bomama tout au long ya nzela. Deuxième groupe ya ba victime ezalaki bo constitué na ba rescapé na attaque contre camp ba militaire oyo basiaki bango basila kosangana pe basila kotambola en colonne na direction ya Rwanda basila kofungola banduki likolo na bango na nzela. Le 22 novembre 1996 ba élément ya AFDL APR basiaki kobima nombre moko indéterminé ba réfugiés rescapé na camp ya Change na niveau ya Lumbishi
La plupart des rescapés de Yassange sont en forêt de bambou. Kuna na rugika na niveau ya village Ombo pe bango basaki ko rejoindre ba rescapé ya camp ya Kashusha Inira obane ko lukwa ko atteindre province ya Nord Kivu na koleka na parc national ya Kahuzi Biega incendie allégué ezaki bongo documenté. Aux alentours, il y a 2 P4 novembre 1996, dans le parc Kahuzi Biega, il y a un élément, il y a FDL, c'est-à-dire qu'il y a un nombre indéterminé, il y a un réfugié. Donc, dans le territoire, il y a Chabunda, il y a un réfugié escarpé ébélé. Bongo ya kanya Uvira pe Bukavu ba mekai ko tenter ko kimana ko leka na territoire ya Chabunda ba réfugié wana bazwa ki ndele ya kalawe bane ko relier Bukavu na Kindu pona ko leka na mbogo na village ya Shimanga Kingulube Kachungu pe Chabunda ezaye situé respectivement na 71, 285 P337 km il y a Est et Bukavu. Vers mi-décembre 1996, 38 000 réfugiés bazaki bongo enregistrés dans 3 camps il y a Fortune dans les environs il y a Chabunda, Makese 1, Makese 2, P Kabakita. Oye bani bongo na kombo ya Bakita 1, Bakita 2 pe Bakita 3. Nombre moko indéterminé ya ba réfugié souvent ba retardataire ba sterbo ko boma na ba militaire ya AFDL APR na ntele ya Chabunda. Ba massacre wana ezaki bongo rapporté na ba village Mukenge Baliga pe Kigulube na janvier 1997. Na région, quelques combats sporadiques et c'est ma qui bon ko salema entre ba militaire et AFDL APR ba phase pe ba ex fa interam moins ba temps en retraite ba victime et ba élément ya AFDL APR ba za qui bon la plupart ba civils au bazaki ne mandou kité. Incendie allégué suivant a été documenté. Le 5 février 1997, par élément il y a AFDL APR, c'est qu'il y a 500 réfugiés dans le niveau il y a pont métallique dans la rivière Ulindi, na Chabunda, na 9 km il y a Chabunda centre. La plupart des victimes ont été réfugiés Oyo, Bakimaki, na camp il y a Kabakita 1, 2, P3. En approche et bah militaire après bah massacre bah villageois bah ça qui forcé à couper comme un zoto wana na rivière pays yako nettoyer pont bah militaire bah même qui par na makasi pendant bah escarpé la direction ya Kabatika po p bah bouma qui bango mokolo elandi bah réfugié Oyo Kimaki na ndombango penza basi ko jwa direction ya Kindu ba msusu basi ko luka direction a partir basi la ki ko luka ndele ya ko kenya direction ya Bukavu après avoir koyoka ke HR aste ko fongola antenne moko na Kigulube. Plusieurs milliers de réfugiés basler ko sa direction na ko circuler na forêt par petit groupe de 50 pe 100 personnes depuis janvier 1995 ba militaire ya AFDL la paire bané ko contrôler zone pe bango ba érigé ki ba barrière ébélé tout au long ya principaux axes routiers. Entre mois de février et avril 1997, bah élément il y a AFDL APR basier comme systématiquement bah réfugié au année collé dans village il y a Kigulube, pe na forêt environnante na
na 156 km ya Ndela oyo bané ko séparer Kigulube na cité Chabunda. Tango ba intercepté ba réfugié na Kigulube, ba militaire ya AFDLAPR ba singa ki bango généralement ya kolanda bango na ba différents contextes, notamment que ba kosi la ko aider bango pona ko tindika mituka tikino pwe na kati ya nzela ba sile ko boma bango na kwe ba machete pe na ba mbeli. En dépit de l'ordre que les villageois ont récupéré d'autres réfugiés, les ONG internationales et les témoins locaux ont été observés tout au long de la Ndela ya Kigulube, la présence de Bibembe ebele et de squelettes, et les effets personnels oyo les réfugiés. À plusieurs reprises, les membres de l'organisation internationale ont assisté à l'opération de nettoyage entre Chabunda et Kigulube, et la conclusion de la présence de fosses communes aux abords de cimetières, et plusieurs villages, et niveau de plusieurs cités isolées tout au long de la Ndela. Le nombre total de victimes est bongo. Pas si à quoi estimer, mais ils ont dit qu'on s'est chiffré dans plusieurs centaines. Côté la Koutou, plus d'un millier. Dans le contexte, on a équipé un mapping à documenter qui a un incident allégué au lundi. Na soirée ya 13 février 1997, l'élément ya AFDLAPR ba na kuya machette entre 70 et 180 réfugiés na la localité ya Mpwe. Na Ndela oyo bané komema na Kigulube. Après avoir consacré ba réfugiés ba militaires ba yebisa ki bango te ba yako bon, qui s'est problème, vous allez coller entre ba Hutu et ba Tutsi na Rwanda. Kasi bango ba proposa ki ba réfugié ba se reposer pe ba se kolia eloko pona ko zwa makasi ya ko zwa sukonzela pona ko kende na Kigulube. Kasi na suka ba se ko mema bango na ba groupe moko ya mikene na ndako moko wapi kuna ba se ko boma bango. Ba misusu oyo ba se ki ko tenter ko kima avant ya komema makuna na ndako wana pe ba se ko na babale. Ba nzoto ya ba victime wana ba se ko kunde yango na ba fosse commune ezali situé na basima ya ndako ba ndako. Le 15 février 1997, ba element ya AFDLAPR ba se ko boma près ya 200 réfugiés na ba site mibale situé respectivement na 4 P7 km ya Kigulube. Groupe moko, groupe ya soixantaine ya réfugiés, notamment Bakarama Kibongo, Nanda Kumoko ou ba militaire, ba seko incendié. Ba toutes les victimes ont été comme ba fosse commune. Le 30 mars 1997, au cours il y a un jour et lundi, l'élément ya AFDLAPR va se dire en présence il y a plusieurs hauts responsables ya APR, plusieurs centaines de réfugiés entre Kachungu et Chabunda dans la localité ya Ivela, Balika, Lulingu, Keisha. Pe na niveau ya pont Ulindi. Ba victime wana ba, na kati ya bongo ezaki grand nombre ezaki bongo basi pe bana. Pe la plupart na bango bazaki ba rescapés ya Shimanga ba obas bandaki ba trouvaki refuge na Kuchunga na localité située na 54 km na nord-ouest ya Chabunda. Zone ya massacre tikala ki bongo officiellement inaccessible pendant ba mikolo ebele na organisation humanitaire, mais wana basiaki malgré tout qu'observé conduite ya opération et nettoyage ainsi que présence ya tout au long ya ba Ndela ya ba mikuwa pe ya ba fer oyo ezalaki ko appartenir ba réfugiés.
Kaka na premier semestre trimestre ya 1997 ba réfugié ebele ba kufaki na épuisement pe na nzala au cours ya trajet entre Kigulube pe Shabunda. Menacé d'extermination na tango nyonso na population étrangère na kati pe sous-alimenté ba sila ki kozwa aide humanitaire te. Après avoir interdit ba humanitaire ya ko circuler au-delà ya périmètre ya 30 km autour ya Bukavu, ba responsable ya AFDEL ba imposa ki bango présence ya facilitateur appartenant na AFDEL na wapikuna chacune na mission. Selon plusieurs témoins ebele, ba facilitateur wana ba seko profiter na ba mission humanitaire pour la fournir na ba militaire ya AFDEL ba information oyo ezalaki concerner ba localisation pe ba mouvement ya ba réfugiés. Ba seko ba réfugiés avant que ba sila kozala récupérer pe ko rapatrier bango. Kasi na kaka na même période wana ba militaire ya AFDEL ba pekisa ki formellement na ba civils ya Europe ne ko vivre na région ya ko porter secours na ba réfugiés ba militaire bongo ba se ko ba nombre moko indéterminé ba zairoa o ba za ki aider directement ba réfugiés to ba ne ko collaborer na ba ONG internationale pe ba organisation des Nations Unies pour na localiser peut pouvoir apporter bango assistance. Nombre total ya ba réfugiés ou ba koufaki na nzala pe épuisement topé na maladie na parti wana ya Sud Kivu eza bongo impossible ya ko déterminer yango mais ezali bongo probablement na plusieurs centaines voire même ba milliers. Ba tuerie pe ba violation grave ya droit de l'homme à l'encontre de ba réfugiés rwandais pe burundais et landama ki bien après conquête militaire ya na province na ba troupe ya AFDEL APR FAB incendie allégué suivant ezaki bongo documenté entre le 26 le 29 avril 1997, ba élément ya AFDEL APR ba se ko enlevé ba détenu arbitrairement ba tortura ki une centaine de mineurs out rwandais ainsi que 9 réfugiés adultes na environ ya aéroport ya Kavumu na territoire ya Kabare. Ba victime bazala ki bongo na centre ya traitement pour na bana pour na bana bazaki ba réfugié ya Lioro et puis na wana bazaki bongo enlevé le 26 avril entre 4h et 5h du matin pe bango bazaki torturé puis acheminé bango na bus moko vers aéroport ya Kavumu wapi kuna bazaki placé na conteneur moko de nouveau pe torturé bazaki soumis na art moko cruel inhumain pe dégradant ba militaire bazaki bongo ba militaire yebaki bongo ko beta ba personnel médical na kati ya centre ya Luiro na motif te ba dimaki ko soigner ba réfugié. Le 29 avril, suite à la forte pression internationale, la victime est en HCR. La victime a signalé qu'ils ont quitté de nombreux autres conteneurs d'aéroport P, utilisés par les militaires pour torturer les réfugiés. Bandeko balandi yale unjo leo
deuxième chapitre na biso to sukisi yango te kasi to sukisi et to kaboli yango na deux parties peut te battre to continuer deuxième partie prochainement botika na malamu bo s'abonner massivement pour na kolanda penza rapport mapping oyo na bolai nyonso botika na malamu o mabota mabino.